Maison Adam. Allô tout le monde, voici la première de trois vidéos où on vous présente des mariages réussis entre un amplificateur et des enceintes, dans l'objectif bien sûr de vous proposer des ensembles stéréo musicales, performants, mais surtout agréables d'écoute. Parce que comme un accord mais 20, l'efficacité et le caractère sonore d'une paire d'enceintes a toujours avantage à se jumeler avec un amplificateur qui lui convient. Notre premier ensemble se détaille aux alentours de 1500$ et il est parfait pour ceux et celles qui veulent faire un premier pas dans la haute fidélité, mais sans nécessairement non plus investir une grande somme d'argent. Il s'agit de l'amplificateur Rotel A10 et des enceintes Monitor Audio Bronze 50. C'est un mariage qui fonctionne parce que l'amplificateur offre un son précis et équilibré qui exploite bien le caractère sonore doux des enceintes. Aussi, comme les Bronze 50 sont efficaces, les 40 watts RMS du Rotel sont suffisantes pour profiter d'un son riche avec de belles basses. Pour notre second ensemble, on est aux alentours de 2400$ avec un amplificateur de la marque Cambridge, le modèle AXR100. Et pour les enceintes, on est toujours chez Monitor Audio, mais cette fois avec les modèles Bronze 200. Ici, c'est un mariage qui fonctionne parce que l'amplificateur a du détail, particulièrement sur les médiums, et suffisamment de puissance pour tirer pleinement profit des Bronze 200. On retrouve un son à la fois doux et précis, et les basses, considérant le petit format de ces enceintes, font à chaque fois leur petit effet wow. Bref, on obtient un son riche avec une diffusion sonore large qui permet à la musique d'habiter réellement la pièce. Notre troisième ensemble se détaille 2800$ avec cette fois l'amplificateur Marantz Stereo 70 et les enceintes Bowers & Wilkins 606 S3. Le mariage fonctionne parce que la sonorité douce et chaleureuse du Stereo 70 balance très bien avec le son ouvert et précis des BW. On a donc tout ce qu'il faut, du détail, des médiums transparents qui donnent de la vie à la musique et des basses qui ont du punch. Il y a aussi l'aspect connecté du Stereo 70 qui permet d'écouter sa musique sans compression jusqu'à 192 kHz 24 bits sans avoir à acheter un lecteur réseau externe. Pour notre prochaine vidéo, je vous présente trois autres ensembles stéréo, mais cette fois-ci dans des prix qui varient entre 3 et 7000$. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à nous suivre sur nos différents médias sociaux ou encore de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.